Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre play sur Resident Evil 0. Et on attaque ensemble notre épisode 15. Alors, faut savoir quelque chose, c'est que cet épisode-là, je l'ai déjà tourné. Mais suite à l'intervention de Nano sur Origin, qui a fait popper une fenêtre en plein, en plein milieu de l'enregistrement, le record a totalement planté. Et je m'en suis aperçu qu'à la fin. Donc, résultat, rien que pour me venger de Nano, si jamais vous devez vous plaindre de quelqu'un, ce sera lui. Il y a certains trucs que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Et je vais terminer sur un gros cliffhanger. Voilà, donc le lien de sa description, enfin le lien de sa chaîne est dans la description des vidéos du Let's Play de Dead Space 3. Donc si vous voulez vous venger, allez pourrir sa chaîne. Voilà. Donc, à savoir que la pièce qui est au fond là-bas, on va pas aller voir ce qu'il y a dedans. Ça ne sert à rien. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière, faites le jeu. Hein, moi personnellement, je sais ce qu'il y a derrière, ça ne m'intéresse pas, donc je vais pas y aller. Et nous allons donc directement voir ce qu'il y a ici. L'épisode d'aujourd'hui risque d'être un poil plus court que d'habitude. C'est normal. C'est la faute à Nano. Parce que je vais me taper 25, non, une demi-heure réellement de tournage. J'ai autre chose à faire que de refaire inlassablement le jeu. Donc voilà. Merci Nano. Donc on a enfin récupéré la dernière plaque. Donc obéissance, discipline, unité, on vient de récupérer la dernière plaque. Ce qui va nous permettre donc d'accéder à la sortie du manoir. Puisque, pour rappel, c'est ce qui semblait être la clé pour sortir du manoir réellement. Et nous allons enfin... Au bout de 15 épisodes, mes amis, 15 longs épisodes, on va dire ça comme ça, sortir du manoir. Comme quoi, mon estimation par rapport au temps que prenait l'exploitation du manoir au sein du jeu n'était pas si erronée que ça. Hein, puisqu'on y est rentré vers quoi, l'épisode 4 ou 5, un truc comme ça, peut-être un petit peu plus tard. Le manoir aura duré une dizaine d'épisodes. Si on estime que le jeu fait la même durée que le Rebirth, à savoir, je crois qu'on était à 24 épisodes pour Resident Evil Rebirth, on est à peu près dans les temps que j'avais annoncé. Après, ma foi, voilà. Donc, voyons voir. Ouais, et... Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai récupéré... les bouteilles pour une simple et bonne raison, c'est parce que je savais qu'il me restait de l'essence. Ça veut dire que je vais avoir 3 cocktails molotov en plus, ce qui n'est pas négligeable du tout. Avec Bill, on va récupérer les deux dernières plaques. Ouais. Et oui. Et ensemble, nous allons du côté de l'observatoire afin de voir ce qui va s'y passer. Dites-vous que là, normalement, avec ce qui se passait dans la salle dans laquelle je ne suis pas allé, j'étais normalement à 9 minutes de vidéo. On est actuellement à 4 minutes de vidéo à peu près. Allez vous plaindre à Nano, c'est pas de ma faute. Pour la peine, pour les gros flemmards, hein, je mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez directement aller le pourrir. Envoyez-lui des... Spammez-le de messages. Il va me détester, il va m'en vouloir. Mais c'est sa faute en même temps, hein, l'enregistrement a planté à cause de lui, donc... Ouais. C'est pas de ma faute. C'est tout. Donc vous aurez le droit à un gros cliffhanger des familles, comme je sais si bien les faire. Bon, ça valera jamais le cliffhanger que lui nous a fait à l'épisode 31 de Dead Space 3, mais bon, voilà quoi. Ok. Donc. Ma chère Becca, tu as placé. Alors, moi qui pensais qu'il y avait un ordre particulier par rapport aux plaques qu'il fallait placer à un certain endroit. Non, ça change rien en fait. Ça change strictement rien. Et Billy, tu vas placer les deux dernières. Bien.
Et la deuxième maintenant, s'il te plaît. Oui, elle les place automatiquement. Et donc, t'entends ? Que va-t-il se passer ? Eh bien, vous le saurez dans l'épisode 16. Non, je déconne. On est que à 5 minutes de vidéo. Je vais pas faire un cliffhanger à ce point-là, quand même. Je reprends de suite, une fois que j'ai changé le disque, pour pouvoir faire la suite de l'épisode à vos côtés. Allez, je... Voilà, une nouvelle zone s'offre à nous et nous allons bien gentiment l'explorer. Alors, je vais quand même refaire ce que j'ai fait, enfin certaines choses que j'ai faites dans l'épisode qui a foiré grâce à Nano Cooper, alias le CTODN. À savoir que, là en fait, pour faire simple, on est à la recherche d'une nouvelle safe room pour pouvoir déménager tout ce qu'on avait dans le hall. You stay here. Ok. Maintenant, je veux que tu changes de personnage. Voilà, merci. Afin de savoir ce qu'il y avait, enfin, afin de tout ce qu'il y avait dans le hall, faire en sorte que. Ah mais. Merci. Il a du mal, le petit Billy, hein. Donc trouver une safe... Je vais arriver à dire ce que je voulais dire. Hein. Trouver une safe room afin de déménager tout ce qu'il y avait dans le manoir et l'amener dans la nouvelle safe room vu que, visiblement, on va bouger. Alors, voyons voir. Il y a un hôtel. Malgré son aura divine, il y a quelque chose de lugubre. Ok. Alors, pas je vous l'ai surpris, hein, je vous rassure de suite. Hein, et... Une safe room, voilà qui est intéressant. Des munitions de shotgun, c'est très très bon. Et surtout des rubans encreurs. Alors là vient le fameux conflit entre l'émulateur et le jeu, à savoir que j'ai repris la sauvegarde de l'émulateur avant. Et donc, ce qui veut dire que j'ai encore les sauvegardes, la sauvegarde que j'ai faite durant l'épisode qui a foiré. Savoir ici. Et histoire de pas me rajouter les rubans encore en utilisant ce glitch entre guillemets. À mon avantage, je préfère sauvegarder. Et là vient quelque chose que je n'avais pas forcément prévu la première fois que j'avais tourné l'épisode, mais qui est relativement sympa. Salut Draculito. Pas de poil pour toi. Oui, c'est bien, j'ai bien le fusil à pompe sur moi. Ok, ça c'était un fail, j'ai foiré une cartouche. Ramène-toi mon gros, ramène-toi, viens te battre. Ok, alors peut-être pas comme ça te battre, mais bon. Vas-y, ramène-toi. Ok, en plus c'est petit avec le trafic là. Alors j'ai combien de vie et combien de munitions? La vie ça passe, les munitions il m'en reste 3, j'ai encore 10 balles sur moi. Mais... Oh! Mec! Stop! Stop! Lâche-moi! Lâche-moi! Aïe! Elle peut encore se prendre un truc dans la gueule. On va peut-être pas abuser non plus là, si c'est... elle peut. Elle tiendra bon. Tourne. Ah mais non mec, lâche-moi bordel.
Ça par exemple tout à l'heure il ne l'avait pas fait. Alors oui je pourrais sortir, mais ça ne servira pas à grand chose. Alors là je présume que je suis en danger. Ouais, donc c'est le bon moment pour utiliser kit de soin. Alors ce qu'il y a de chiant c'est des petites chauves-souris à la con là qui me prennent en fait la visée automatique. Voilà, parce que ça vise automatiquement le plus proche. Mais foutez-moi la paix bordel. Alors par contre c'est pas globe du tout parce que voilà. Vas-y, putain! Rapproche-toi, viens te battre, saleté, va! Viens te battre, pétasse, va! Eh, j'aurais galéré pour le tuer, là, sérieusement! Eh ben, dis donc! Voilà, c'est fini! Enfin! Nickel! Par contre, j'ai plus de munitions de fusil à pompe. Ça, c'est pas glop. Quand j'avais fait la première fois, j'avais... Ah, on peut sans doute utiliser quelque chose pour y monter. Le grappin. Bref. La première fois que je l'ai fait, j'avais beaucoup mieux réussi dans le sens où à la fin, je crois qu'il me restait 4 cartouches de shotgun ou quelque chose comme ça. Là, faut dire qu'est-ce qu'il y a, j'ai carrément plus foiré mon coup. Bon, eh bien on y va. On va d'abord faire un truc avec Billy. On va déposer les trucs qui sont pas forcément utiles dans notre future nouvelle safe room. Histoire de gagner un petit peu de place hein, et de pas faire trop d'aller-retour inutile. On avance. Et on va stocker ce qu'il y a stocké. Alors, genre le cocktail Molotov, on va le laisser pour l'instant. Ça, on va le laisser aussi. On va donner quelques bastos à la petite Becca. Et même Rebecca, elle va poser le fusil à pompe. Et on est bon. On devrait être bon. Ok. Alors, il y a peut-être une petite amélioration graphique que vous avez remarqué. Je sais pas si c'est notable. Mais en fait, j'avais optimisé le jeu, mais donc baissé légèrement les graphismes. Au moment bien, donc là cette fois-ci c'est l'émulateur qui a planté et non plus le record. Je viens de rebattre cette saleté de créature là, ce Draculito à la noix. Oui, je sais. On va récupérer Billy, on va déposer 2-3 trucs. Et à faire ce que je voulais faire à la base. Ah, oh, je vous jure, ça fait une heure que je suis sur cet épisode. Ça fait une heure. J'exagère. Mais bon, c'est chiant quand même. Okay. Dans le sens où là, j'ai pu reprendre depuis la sauvegarde GameCube. Et non pas la sauvegarde émulateur. Sinon, j'aurais dû tout me retaper depuis le début. Ça aurait été super chiant. Je sais pas combien de temps de vidéo on est. Mais là, vu qu'il y a tout qui est contre moi, je vais faire ce que je voulais faire à la base. Donc, m'arrêter au cliffhanger que je voulais faire. Ce qui est une bonne chose. Mais moi qui voulais à la base tourner les deux épisodes à la suite, il va falloir attendre un petit peu là quand même. Parce que mine de rien, ça me fait 3 bouts de vidéo à monter. Voilà. Donc, laisser, oui. Non, on va pas laisser ça. On va laisser ça ici, oui. Vous remarquerez que j'ai mieux réussi quand même
le Dracunito que la dernière fois. Parce que là, il me reste 6 cartouches de fusil à pompe. Ce qui en soi est carrément une bonne chose. On va dire ce qu'il y a. C'est parti. On avance. Excusez-moi, je suis pas très bavard là, mais en même temps, là, faut me comprendre quoi. C'est... Je viens de retaper 3 fois le même mob, le même boss. C'est mignon, mais faut arrêter quoi. C'est les aléas de l'enregistrement de, sur l'émulateur. Les émulateurs sont pas les trucs les plus stables qui existent au monde. Et enfin voilà, c'est un petit peu le merdier. Ah, génial, tu vois, les petits bugs sonores qui font toujours autant plaisir. Yeah! Bref, on va contourner. Et vous allez voir que tout à l'heure, le fait que l'observatoire ait bougé, ça a sa petite influence. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais passer la porte. Coucher. Coucher. Achève-le, vas-y. Ou pas. Voilà. Bon. Et bien en fait finalement je me retrouve à exactement le même stuff que la fois où l'enregistrement a planté à cause de l'intervention de Nano Cooper. Voilà. Ce qui veut dire qu'il me reste 2 cartouches de fusil à pompe. Je suis... Enfin mes 2 personnages sont en bonne santé. Jusque là je me suis mieux organisé. Allez, c'est parti, on avance. Alors je disais quoi avant que ça plante tout à l'heure? Oui, une possible amélioration graphique pour une simple et bonne raison. C'est que en fait, vu que l'émulateur est quelque chose qui prend beaucoup de mémoire, j'avais dû optimiser le jeu lors du passage dans le train où il y avait la pluie battante qui passait à la fenêtre, etc., et qui consomme encore plus de mémoire. Si en plus, ajouté à ça, il fallait que je filme, j'ai dû l'optimiser en baissant légèrement les graphismes. Chose que je n'ai pas pris le temps de faire pour le deuxième disque, et qui visiblement n'est pas nécessaire au vu de ce que je vois là maintenant, quoi. Bon, à part le fait que ça ait planté tout à l'heure, mais bon, c'est pas dramatique non plus. J'ai combien de place sur moi? Alors elle déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'elle récupère ceci. Ce qui me fait, si je ne m'abuse, 20 rubans encreurs, c'est bien ça. Et... Bien. Le grappin. Le grappin. Oui, j'ai déjà fait cette blague, mais je m'en fous. Billy Cohen, il va récupérer... les grenades acides qui va directement fusionner avec lance-grenade pour pas consommer de la place inutilement. Là, c'est ce qui est. On va récupérer la mallette. Et pose. Enfin, vient un petit problème à savoir qu'il me reste une place et il faut que je fasse un choix entre les balles de magnum et le couteau de survie. Survie sera quand même utile, je pense, un jour ou l'autre. Donc je reviendrai en cas récupérer le couteau de survie quand il faudra. Ok, et on est reparti. Voilà, pas sauvegarder. Par contre, je récupère Rebecca, excuse-moi, Billy, mais. Étant donné que mon gros bout sans cervelle, je préfère récupérer Rebecca qui est plus dans la subtilité et la réflexion. Donc, ouais, ça, le tournage de l'épisode 16 attendra, puisque là on est à l'épisode 15 toujours. Il attend là un petit peu parce que là je suis un petit peu fatigué d'avoir tourné pendant... C'est simple, j'ai commencé à tourner, il était 17h30, il est 18h30. Donc j'ai réellement passé littéralement une heure sur cet épisode. Je sais pas à combien de temps de vidéo on en est, c'est pas grave, ça va être fun quand même, puisque je sais exactement où est-ce qu'on va s'arrêter. Et vous savez très bien où est-ce que je vais m'arrêter. Puisque je vous ai promis un cliffhanger... On avance gentiment. Nickel. On va aller dans la safe zone, la safe room, déposer tout ce qu'on a récupéré.
Mine de rien, il me restera quoi? Juste le couteau de survie à récupérer. Ouais. Enfin, je récupère quand même, mine de rien, parce que... Sait-on jamais qu'il soit utile, genre... je sais pas, dans Rebirth, par exemple, il y a un passage où il était obligatoire, et d'ailleurs, il nous donnait un deuxième couteau de survie à ce moment-là. C'était quand on affrontait le Black Tiger. Pour découper la toile d'araignée. Et pour passer derrière, justement, et aller rendre... récupérer une pièce du moteur de l'ascenseur qui permettait par la suite de faire un petit coucou à Lisa Trevor. Donc, retournons gentiment ici. Alors, j'ai quoi sur moi? Parce que j'ai récupéré, mais je me rappelle même plus exactement ce que j'ai sur moi. On va aller poser les rubans ancreurs pour Rebecca. Déjà, primo. Ok. Ensuite, toi tu déposes ça. Tu déposes ça. Et tu déposes ça. Techniquement, ça devrait aller. Je recharge mon arme, on sait jamais. Ok. Bon, techniquement, c'est bon. Ok. Donc, avançons gentiment. Allons là où il y a le trou dans le toit. Et on verra ça pour l'épisode 16. Ah bah oui, cliffhanger. Hein. Je vous avais dit, je vous avais prévenu en début d'épisode, cliffhanger. Donc, sur ce, si cet épisode vous aura plu, malgré les quelques difficultés techniques que j'ai eues, je vous propose de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Surtout comme ça, ça montrera que vous me soutenez dans cette épreuve. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.